Philippe, il paraît que tu racontes sur internet que... Le temps est magnifique. Le temps est magnifique. Oh là là, comme c'est beau. Comme c'est beau. C'est tout jaune. C'est tout jaune. Il va falloir que je demande à Jean-Paul de me passer un coup de débroussailleur là. Regardez. Oh là. Là, c'était le jardin que je faisais avec Denis. Oh bah Denis. Il verrait ça. M'a appelé hier d'ailleurs. Bon, j'arrive en bas. Faut que j'appelle une cliente. Et on s'y met. Je vous rappelle que si vous voulez tout savoir sur la maison Bulle et maison enterrée, il y a un petit lien dans la description. Alors comme prévu, je vais pouvoir projeter ici. Ici, là. Et là-bas, après je verrai si je vais au-dessus, je sais pas. Je vais pas projeter, je vais pas couler là, parce qu'en fait j'ai pas les diamètres et surtout les emplacements des deux lavabos, donc je peux pas le faire pour l'instant. Je vais essayer d'aller déjà là-bas, c'est déjà pas mal. Vous pourrez pas voir la projection puisque je peux pas tenir la caméra et puis en même temps filmer quoi. Je peux pas filmer et en même temps bosser quoi, donc je vous montrerai après. Bon, il faut que je finisse ma bétonnière, c'est une deuxième bétonnière. Donc vous voyez, j'ai bétonné ici, là. Là, j'ai mis une gaine, en fait, à l'intérieur, derrière, un boîtier intérieur. Je vais mettre un trou ici. J'ai pas été plus loin parce que il faut que je détermine où est-ce que je mets les lavabos. Donc j'ai juste coulé ce petit bout, là, puis demain ou après-demain, je coulerai le reste. Là, j'ai projeté. Et là-haut, je l'ai posé à la main, en fait, depuis l'autre côté, quoi. Ici, j'ai projeté. Aussi. J'ai commencé aussi à poser là-bas, à la main, parce que c'est impossible d'aller projeter, je suis tout seul, c'est trop la galère, quoi. Donc là, bah, vous voyez, hein, j'ai là-haut, là, j'ai posé 2 cm sur toute la voûte, sur 2 mètres, quoi, 2 mètres de large. Puis là, je suis en train de terminer, là. Je fais la vidéo maintenant, parce que je regarde le soleil et... Je voudrais quand même terminer avant que le soleil se couche pour pouvoir rentrer avant le couvre-feu. Il n'y a pas de couvre-feu, mais bon, il va y en avoir un bientôt, quoi. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo, ben vous connaissez le truc, hein. Vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube ou mettre un petit commentaire. Les clics, j'aime aussi, mais bon, les commentaires, c'est plus sympa, quoi. Qu'est-ce que vous en pensez du chantier, etc. Et puis surtout, regardez dans la description, il y a un petit lien pour savoir, si vous voulez tout savoir sur les maisons bulles et les maisons enterrées, eh bien je vous invite à regarder sur le petit lien dans la description, ou sur le côté. À bientôt.